Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hidden Games. Continuons notre avancée dans les consoles de l'ère 128 bits. Après la Xbox et la GameCube, nous allons aujourd'hui revenir sur quelques jeux méconnus de la reine des salons de cette époque, celle qui a déchaîné les passions dès son lancement, j'ai nommé la PlayStation 2. C'est donc parti pour 3 pépites de la PS2. Et nous commençons par une adaptation de film d'animation. Toy Story 3, sorti dans les salles de cinéma en juin 2010, se voit adapté sur toutes les consoles du moment. Oui, sauf que la PS2 est loin d'être la console à laquelle on pense quand on sait que la génération suivante était déjà en place depuis 4 ans. Toy Story 3 sur PS2 est le dernier jeu adapté des licences Disney-Pixar à sortir sur la console. Jeu de plateforme pur et dur en 3D, Toy Story 3 est un exemple du genre. Le jeu est fluide, bien pensé, avec une difficulté croissante, mais jamais rebutante. La maniabilité est plus que correcte et jamais punitive. Rares sont les sauts ou doubles sauts qui feront criser les joueurs comme dans de nombreux autres jeux du genre. Mais ce qui frappe le plus dans ce jeu, ce sont les graphismes et le soin apporté aux détails. Très fin, très réussi, et reprenant à merveille les différents éléments et décors du film, la réalisation fait honneur aux dernières années de la console. Bien sûr, si l'on compare cette version PS2 avec les versions des consoles PS3 et 360 et même Wii, on se rend compte d'un gros manque. En effet, la mouture PS2 est uniquement un jeu de plateforme et ne possède pas de mode coffre à jouets, qui apportait un énorme vent de fraîcheur au titre. Qu'à cela ne tienne, le jeu PS2 est loin d'être anecdotique. Évidemment, ce n'est pas un jeu taillé pour les hardcore gamers, mais il ravira pour le coup les plus jeunes, qui retrouveront avec plaisir les personnages emblématiques du film. Malheureusement, la version PS2 n'est jamais sortie chez nous et fut cantonnée aux États-Unis. Dommage, car si son support était déjà dépassé, le jeu n'en reste pas moins excellent et aurait mérité d'être découvert. Drakan est l'exemple typique du jeu qui aurait pu devenir un hit. Mais le jeu a un gros défaut, son mois de sortie, mars. Il faut savoir qu'au Japon, l'année fiscale se termine fin mars, donc pour finir en beauté avec des résultats exemplaires, il faut absolument sortir de gros hits à cette période. Tout ça pour faire plaisir aux actionnaires. C'est ainsi que Drakan s'est retrouvé face à Metal Gear Solid 2, Project Gotham Racing, Tony Hawk Pro Skater 3 et Sonic Advance, et tout ça le même jour en Europe. Ouch! Peu de gens connaissent le premier épisode de la série Drakan sorti sur PC. D'ailleurs, sa suite sur PS2 en reprend beaucoup d'aspects, tout en les améliorant. Concrètement, le jeu est un mix entre un Tomb Raider pour son côté exploration énigme, tout en intégrant des phases d'action à d'autres dragons. Mais le jeu intègre aussi quelques éléments de RPG, notamment pour son système de quête. La durée de vie du titre est très correcte, avec plus d'une vingtaine d'heures pour conclure l'aventure. Certes, la réalisation fait aujourd'hui dater, mais il ne faut pas s'arrêter à ce détail, car le gameplay hybride mêlé au scénario et au fun que procure le titre sont largement à la hauteur des autres titres de la PS2. Drakan est un jeu purement mésestimé, excellent en soi, mais passé inaperçu juste à cause de la concurrence qu'il a subie. Il faut dire qu'à cette époque, la PS2 était inondée de hits en tout genre, et ce n'est pas la suite d'un jeu PC déjà quasiment inconnu qui fait déplacer les foules. Triste sort pour ce jeu qui aurait mérité un meilleur destin, une meilleure communication et une meilleure reconnaissance. Mais au moins, si vous tombez dessus dans une brocante, vous saurez que vous ne devez pas passer à côté. Imaginez un FPS qui délaisse la science-fiction ou la Seconde Guerre mondiale, imaginez un FPS qui ose se dérouler dans un univers typé western, saupoudrez le tout avec du fantastique et vous obtenez Darkwatch. Le héros de ce jeu est un vampire qui cherche à se débarrasser de sa malédiction, et pour se débarrasser du mal, mieux vaut s'équiper correctement. Notre vampire a choisi donc deux colts plutôt stylés. Il devra avec abattre des hordes de morts-vivants et autres joyeusetés qui se mettront en travers de la route. Le principal atout d'être un vampire est de permettre au héros d'utiliser sa vision de sang, sorte de vision de nuit pour vampire. Très pratique pour repérer les snipers ennemis qui se cachent parfois de manière très sournoise. Darkwatch ne s'embarrasse pas de considérations historiques, il n'est donc pas rare de trouver de nombreux anachronismes dans les armes et véhicules disponibles, mais c'est le lot du genre fantastique qui privilégie le fun et spectaculaire plutôt que le réalisme à tout prix. Darkwatch est un titre passé dans l'oubli notamment à cause de son concurrent direct arrivé quelques mois plus tard sur PS2 aussi, Black. Black est souvent considéré comme le meilleur FPS de la PS2, voire l'un des jeux de la machine les plus réussis. Évidemment, dans de telles circonstances, difficile d'en vouloir aux joueurs, surtout quand on sait que les Time Splitters eux aussi avaient une excellente réputation sur cette génération de consoles. Mais donnez une chance à Darkwatch. Son style, son ambiance unique et sa réalisation loin d'être bâclée en font un très bon titre. Bon, les ennemis auraient gagné à être un poil plus nombreux, mais on prend quand même un très grand plaisir à parcourir le titre et à désinguer tout ce qui se trouve dans notre viseur. Les plus tatillons reprocheront aussi le double saut parfois imprécis, mais c'est vraiment chercher la petite bête. Ces trois titres sont très représentatifs de ce que j'essaie de dénicher dans Hidden Games, des jeux qui auraient pu devenir des hits s'ils étaient sortis au moment propice. Beaucoup trop tard pour Toy Story 3, en plein mois de sortie de gros jeux attendus dans le cas de Drakan, ou sortis après de grosses références du genre pour Darkwatch. Ces trois jeux ne déméritent pourtant pas niveau qualité, ce sont des pépites méconnues auxquelles j'ai voulu rendre justice. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Hidden Games, je vous retrouve dans 2 petites semaines pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Game Love et à partager cette vidéo si elle vous a plu.
À très bientôt pour de nouvelles pépites.